Allô? Comment tu es? Tu écoutes, hein? Oui, allô? Allô, ils sont en direct. Ils sont en direct, ils sont en direct, je rappelle. Tu as vu ça? Ils sont en direct. Ils sont en direct, ils te montrent en direct là. Neubak Zenzile. Ouais, la championne. Bon oui, c'est plus. Ah, le voyage validé. Bonsoir les champions. Voilà. D'abord pour commencer la vidéo, je vais accorder une minute de silence à mon collègue gendarme. Bon, qui a eu la mort dans des situations rocambolesques. Bon, je vais essayer d'élucider vu que moi j'ai été gendarme. Voilà. Et je connais aussi le maniement d'armes. Donc on va énoncer certaines hypothèses pour pouvoir essayer d'élucider la mort tragique de ce gendarme qui est mort dans la foule de l'âge,
dans une minute de silence. Voilà. Sokma champion, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour me prononcer sur l'actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire. Mais d'entrée de jeu, je vais mettre quelques propos en griffe. Voilà. Quand j'ai fait mes vidéos là, voilà, j'ai pas appelé quelqu'un de venir voir mes vidéos. Chacun a sa manière de s'exprimer. Voilà. Les gens qui vivent, qui naissent, qui vivent avec, soit, je ne sais pas si tu peux appeler ça handicap, mais chacun a sa manière de s'exprimer. Mais tout qu'on fait, j'ai réussi à me faire entendre. Voilà. Donc ceux qui viennent rappeler pour dire non, il y a quoi sur ta langue ou bien tu parles comment, voilà. Moi je bègue. Voilà. Et je suis impulsif. C'est pas que je bègue, je suis impulsif. Voilà. Donc quand mon tempérament monte, j'arrive pas à correctement agencer les mots. Voilà. Sinon, parmi vous, qui c'est qui vient de commenter là? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Voilà, il réfléchit mieux que vous. La preuve en est qu'il fait des vidéos. Même s'il ne parle pas bien. Voilà, parce que selon vous, il ne parle pas bien, il ne sait pas s'exprimer. Mais quand on regarde le cheminement et la chronologie de mes vidéos, on sait que le gars, c'est un gars qui est intelligent. Voilà, il est dans le futur. C'est tout ce qu'il dit qui se passe. Voilà. Et c'était corroboré par une de mes vidéos. Voilà. Et je me tâte ici fier de le dire. La vidéo que j'ai fait avec Amiral Blindé. Voilà. Bleu Goudé, dans ses dits, il est venu certifier ça. Adversaire politique ne rime pas à ennemi. Moi, c'est dans le futur. Voilà. Donc, souffrez s'il y a une longueur d'avance sur vous. Moi, je ne fais rien ça. Et de grâce, vos injures, là, moi, ça ne va rien changer dans ma vie. Voilà. Avant qu'il ne soit même gendarme, dans notre quartier, là, si pour cela, nous, on prenait des injures. Comme de l'amusement. C'est la cipresse, tu l'as ton ami puis ta mère con. Ça, c'est rien ça. Voilà. Ma maman, quand elle était encore jeune, mon petit frère, il disputait avec lui. Et puis, il insultait ma mère con devant ma maman. Et puis, ça passe. Voilà. Donc, vous venez, vous m'insultez. Ils m'en foutent de ça. Il y a des gens qui m'appellent, qui m'écrivent. Non, arrête ça, Mono. Ça ne te ressemble pas. Ça, tu te rends ridicule. Voilà. Je vous dis aujourd'hui maintenant là, faire vidéo là c'est mon travail. Si chez vous, en tout cas, si votre travail vous rend ridicule, moi mon travail ça ne me rend pas ridicule. Voilà. Vidéo là, vous êtes étudié, c'est une vidéo, ça c'est mon travail qui est là. Voilà. Maintenant le jour, je viens vers vous et puis je vous demande l'argent, aide-moi. Dites-moi comme une réponse. Va faire vidéo pour avoir l'argent. Voilà. Donc moi j'ai mon travail de vidéo. Man. Pourquoi vous, c'est vous, ça fatigue? Non, arrête de faire vidéo, ça te fatigue. Non, les gars, la vie, c'est un choix. Voilà. Vidéo, là, moi, j'aime ça, c'est ma passion. Ça fait 5 ans, 6 ans, j'ai fait vidéo. Donc, tout ce que vous devez venir dire, ça passe comme ça. C'est dans le vent. Voilà. Si on m'insulte, là, laissez ça comme ça. Moi, c'est habitué à un jus. Un jus, c'est quoi? C'est pas essayer habitué à un jus que je n'ai pas tué les gens à Abidjan n'importe comment. Voilà. C'est parce que j'ai réussi à me surpasser de mes colères, raison pour laquelle je n'ai pas tiré sur les bacaman. Les apprentis à tort et à travers. Parce que eux, on connaît le langage. Quand tu l'interceptes, petit barbier, diplôme acheté là, ça peut te frustrer. Mais si c'était un gars qui était manipulé, parce qu'on était faible d'esprit, j'allais tuer sur eux parce qu'ils m'insultaient. Voilà. Donc, un jus, là, laissez là. Moi, je ferais un jus. Si un jus tuait là, mettez de la mort. Mais un jus tue pas. Pourquoi on m'insulte et puis vous, ça vous fait mal? Jusque là, il y a qui écrit un message, il envoie une note vocale, non, dessin, faut pas sombrer dans la bassesse, mets-toi au-dessus, là c'est ça. Nous, on se reconnaît dans ce que nous on fait. La boule, on se reconnaît dedans. On se reconnaît dans la sagesse. Voilà, donc à un moment donné là, laissez-nous assumer notre destin. Voilà, mais vous dites, je ne suis pas enfant de quelqu'un. Voilà, il y a des familles, il y a ma famille qui est là. Voilà, vous, on ne se connaît pas. Voilà, donc il n'y a pas de leçon à recevoir de quelqu'un. Et mon âge, ne me permet pas qu'on puisse me dicter ce que je dois faire. L'âge que j'ai là, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, ah, fais ça. Non. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui voilà. Voyez ça qui est là. On me nomme combien? 25 ans, combien de trucs? Il n'y a pas 25 ans.
Voilà. J'ai 41 ans. Voilà, mais je suis si beau, si sportif. On me prend comme un jeune, dans l'âge que j'ai là. Bon, allez dire à Macron ce qu'il doit. Allez dire à Macron de faire. Allez dire à Macron. Allez dire à Macron, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que moi, il y a même âge à Macron. On est le même jour. Il y a même âge à Macron, même année, même jour. Ah, moi, je ne suis pas président, quoi. Vous voulez m'appeler, vous voulez envoyer un message, vous dites non. Ah non, laissez ça là. Voilà, laissez ça là. Hein, c'est un moment quand chacun a son âge, chacun assume. Il assume son âge. Voilà. Vidéo, c'est mon travail. Si il vient demander à quelqu'un pour dire, ah, demande là, pas y a des problèmes. Il va me donner là. Pas y faire vidéo, ça, c'est son affaire. Voilà. Mais j'ai même vous demander là aussi. Voilà. Donc, sur ce, ici devant vous, parler bien de cette vidéo, pour qu'on puisse élucider le contour rocambolesque de la mort tragique de ce petit gendarme qui est mort dans la fleur de l'âge. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Parce que il y a des gens qui n'ont pas fait l'armée et qui viennent se prononcer pour faire du buzz. Voilà, j'ai vu une publication sur un site ivoirien qu'on appelle itdebabi.com. Voilà. Eux aussi, ils ont mis vue sur le net. Voilà. Vue sur le net, un jeune homme se suicide. Voilà. Ils ont vu sur le net. Maintenant, eux, maintenant, comme ils ne savent pas si le directeur de publication, c'est un gendarme ou bien c'est un gars qui a fait des études en balistique, ou bien je ne sais pas si c'est un criminologue qui est titulaire peut-être d'un PhD en criminologie. Qu'est-ce qu'il écrit ici? Il dit le suicide qui porte les germes de l'homicide volontaire. Homicide volontaire. Quand on parle d'homicide volontaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a attenté à la vie de ce gendarme. Voilà. Cette arme a un recul de tir. La portée maximale de la balle est de 1500 mètres, c'est-à-dire 1,5 km. C'est ce qu'ils écrivent. Hein. La force de recul propulsée par les gaz lors du synthèse de fonctionnement de cette arme ne peut pas se retrouver entre les mains du tireur, même si ce dernier était couché. Voilà. C'est un homicide volontaire. Si l'arme était dans cette position, la crosse de l'arme devait être projetée. D'abord projetée, ils écrivent ça à eux muet. Ils écrivent ça à eux, c'est pas E, c'est pas ER. Voilà. Projetée, RER. À l'infinitif. Voilà. Et publication, ils viennent écrire projetée RER en infinitif. Vers l'avant. Sur la table et le canon sur le côté. La force de la pénétration devait le renverser. Le renverser, c'est E. Attends, c'est E, ils mettent. Ok, c'est ER. Le prendre, on remplace ça par un mot du troisième groupe. Voilà. D'ailleurs, il centre les couilles, il n'y a pas. Voilà. Son bras qui a actionné sur la détente de côté. La balle de cette arme va à 710 barres secondes. Voilà. Ce qui veut dire que lors du suicide, le tireur n'a pas le temps de s'y ranger. S'est-il vraiment suicidé? Les enquêtes nous le diront. Voilà, ça c'est celui-là. Il débabille. Ils ont fait la publication il y a fait 1 h 8. Voilà. Oui, Nova, tu as raison. Il ne sait pas prof de français. Voilà. Dans ceux qui se perdent dans les vues, ça c'est eux qui voient. Maintenant, comme je ne vais pas me jouer les instructeurs d'armement, je me suis référé à Google. Soit je peux vous réciter les caractéristiques de la Kalachnikov. Mais de quoi du nom, est-ce que tu es crédible? Tapez ici Google. Et c'est là. Ah, c'est Google. Qu'est-ce que Google nous dit? Quand tu tapes Kalash, caractéristiques. Non, ça te démontre tout. L'AK-47 en russe, voilà, modèle 1947, est un fusil d'assaut conçu par l'ingénieur soviétique Michael Kalachnikov. Pas étonnant que la Kalachnikov ait emprunté. Mode d'action automatique et semi-automatique. Période d'utilisation depuis 1947. Cadence de tir 600 coups minute. 600 coups par minute. Portée pratique 200 mètres. Précise jusqu'à 400 mètres. Voilà. Ça, c'est. J'avais fait une capture d'écran.
Je vais revenir maintenant. Les Kalachnikovs constituent toute une série de fusils automatiques copiés par Michael Kalachnikov sur le quoi? Sur le M34 abrégé, je ne sais pas ce que je raconte. Voilà. La Kalachnikov est un fusil d'assaut semi-automatique ou automatique d'une longueur 88 cm et possède un canon de 41,5 cm. Elle pèse 4,300, 4,300 kg. Voilà. Elle a comme calibre 7,2 mm, longueur 869. Oh putain, arrête de me chier, je sais pas ça. Bon, c'est que sur ce qui veut savoir les caractéristiques, vous tapez. Donc les gens, ils mettent sur Facebook comme quoi que c'est pas un suicide, mais c'est un homicide volontaire. Mais sur les mêmes réseaux sociaux, on a pu constater que l'enfant, il a laissé un message WhatsApp à son ami. Voilà, l'enfant s'appelle Jaurès. Il s'appelle Jaurès. Il envoie un message à son ami. Je ne serai plus de ce monde. Et son ami lui dit, ah, tu racontes quoi même? Il dit, t'inquiète, tu verras. Et une heure après, on apprend sa mort. Donc c'est pour vous dire, quand on n'est pas, on n'a pas eu la chance de tirer à la calache, c'est pas la peine de venir faire des postes qui sont à vide d'essence. Idébabi, je tiens à vous dire, lorsque nous sommes à l'école de gendarmerie, on nous apprend les mesures de sécurité d'une arme. Voilà. Que ce soit le pistolet automatique, voilà, d'où l'abréviation de PA. Que ce soit la Kalachnikov, d'où l'abréviation des AK-47. On nous apprend les mesures de sécurité. Voilà. Quand tu veux désarmer ton arme, qu'il y a une munition dans la chambre, qu'est-ce que l'instructeur de tir te dit, IST? Diriger l'arme dans une position n'offrant aucun danger, c'est-à-dire de préférence vers là-haut. Parce que quand tu vas manœuvrer l'arme, s'il y a un incident, la balle ira en l'air. Mais si tu veux appliquer les mesures de sécurité, que tu as le canon de l'arme vers le bas, si c'est un goudron, il peut avoir ricoché. Et ça peut tuer quelqu'un. Mais vu la posture du macabé, quand on parle de macabé, on parle du corps de l'enfant. On a vu les photos sur Facebook. Comment le corps de l'enfant était disposé? Il était assis et le bras sur la calache. Voilà. Tout porte à croire que si l'enfant s'est pas suicidé, c'est qu'il a eu incident de tir. Je vous explique. Si l'enfant s'est pas suicidé, c'est qu'il a eu incident de tir. Les gens me diront de quoi parle l'auteur quand il parle d'incident de tir. Voilà. Parce que nous, on se connaît entre nous, gendarmes. Quand nous allons au service d'armement pour prendre les armes, il y a nos amis, tellement ils sont pressés dans la maison, ils n'observent pas les mesures de sécurité. Ce qui veut dire, la munition est déjà chambrée, c'est dans la chambre, et la sécurité est déjà descendue. Donc l'arme, dès que la munition a été chambrée, que la sécurité a déjà été descendue, tu n'as pas besoin de prendre ta main pour presser sur la détente pour que le tir aille. Dès que tu poses l'arme, baya, le tir part tout seul. On dit un coup vient de partir. Parce que la cache a été déjà chambrée. La détente, la mesure de sécurité a été descendue. Donc, il suffit d'un petit geste brusquement pour que le tir aille. Mais quand on voit sur la photo, l'enfant, on voit l'arme qui dit, on voit la détente, la sûreté qui est en bas, et l'arme est dans sa main. Si c'est un incident de tir, c'est que l'enfant est parti prendre l'arme par ignorance, il n'a pas observé les mesures de sécurité. Quand il venait prendre son poste, il s'est assis, il a mis l'arme comme ça en même temps, baya, c'est parti. Puisque la munition était chambrée dans l'arme et la sécurité était là descendue. Ça, c'est une hypothèse. Voilà. La deuxième hypothèse de suicide. Oui, c'est un suicide. Pourquoi? Parce que
On nous a présenté les photos. Voilà. On a vu un impact sur la tête. Voilà. Il était sur un store. Quel sniper peut se mettre là-bas pour tirer sur la tête de l'enfant? Quand on a vu les photos là, on a vu le crâne de l'enfant était ouvert. Sans doute, la munition est rentrée par là et c'est sorti par la tête. Mais ce qui parle d'homicide volontaire, c'est quelqu'un qui a venu te tuer et qui va se coucher pour tirer sous ton menton à force que l'âme sorte par ta tête. Jamais. Si quelqu'un veut t'assassiner, il se met dans un coin embusqué et il tire sur toi. Mais quelqu'un pour te tuer, pas venir proche de toi, pendant que tu es assis, et il va se coucher et met une lame sur ton menton pour te tuer. Jamais. Mais l'enfant, quand on le voit, on sait qu'il y a un impact de balle ici. On sait que l'âme est sortie par la tête. On sait qu'il y a la munition. Il n'y a pas de photos. J'ai vu les photos, mais je n'ai pas présenté ça ici. J'ai pas envie de les présenter. J'ai pas envie de prendre les photos là, parce que c'est un peu horrible. Pour ceux qui ont vu les photos là, l'enfant ici, il y a un truc qui est sur sa tête ici, là. Il y a un truc qui est là. Il y a un truc qui est là. Il était assis comme ça, et il y a un truc qui est là. Mais si quelqu'un veut te tuer là, il va pas venir jusqu'en dans tes poils pour te tuer, jamais. Il sera au loin, tu seras dans sa ligne de mire, et il va tirer pour t'avoir. Mais pourquoi venir en bas de toi, s'asseoir? Et puis porter l'âme comme ça, boum. Afin que l'impact sorte par le haut de la tête. Voilà. Donc, Hit Magazine, qu'on n'a pas fait le banniment des âmes, qu'on n'a pas fait les études en balistique, ce n'est pas la peine de conclure une enquête pour dire que c'était un homicide. Voilà, ça n'a pas été un homicide. L'enfant, il s'est suicidé. Parce que vu la posture de l'âme, voilà, tu parles de recul. L'enfant peut être comme ça. À baisser la détente, bien ajuster l'âme sous son menton. Pendant que la détente est descendue, il suffit d'appuyer la détente, bah, le coup s'en va. Et on a bien vu. On a vu que la balle est sortie par la tête, par le haut du crâne ici. On a vu la balle. Mais c'est quelqu'un qui l'a tué. Il n'avait pas besoin de venir vers lui. Il allait se mettre, être embusqué, soit il allait prendre le coup dans la tempe, ou soit dans la joue, ou dans le cou. Mais l'enfant, on a vu l'impact de la balle sortie par ici, au milieu de sa tête. Donc pourquoi vous venez écrire des mensonges pour dire non, c'est un homicide. C'est pas un homicide. Voilà. Soit l'enfant, il s'est suicidé, ou bien c'est un accident de tir qui l'a tué. Parce que l'âme là, c'est comme les âmes, c'est comme un fétiche. Tu peux observer des mesures de sécurité et oublier. Mon enfant, peut-être sans doute, il n'a pas dû prendre son âme, il n'a pas observé la mesure de sécurité vu qu'il était pressé et il n'a pas essayé de. Parce que quand tu en prends ton âme, tu enlèves le chargeur. Tu inclines ton âme d'une direction n'offrant aucun danger. Voilà. Tu donnes deux bons coups de. Tu chambres. Parce que s'il y a une balle dedans que tu chambres, la balle va sauter quand il n'y a pas le chargeur. Donc tu chambres une fois. Si la balle n'a pas sauté, ça suffit pour voir. Qu'il n'y a pas, il n'y a pas de balles. Mais pour être plus rassuré, tu donnes deux bons coups de fonctionnement. C'est-à-dire, bah, attends, il faut quelque chose. Ah, c'est joué de mon petit là. Ah, c'est une âme qui est là. On suppose qu'on a enlevé le chargeur. Voilà. Donc, pour s'assurer, pour voir s'il n'y a pas de munitions, on chambre. Quand tu chambres, pour voir si c'est pas les munitions, tu offres comme ça et tu tires. Quand ça fait, mais c'est qu'il n'y a pas de munitions. Ça, c'est une mesure de sécurité. Mais pour être plus sûr encore, sinon on sait qu'il n'y a pas de balles dedans, mais on fait encore deux fois encore. Voilà. Pour voir s'il y a encore une balle cachée dedans. Mais ça fait, mais. Donc, c'est que l'enfant, il a appliqué les mesures de sécurité. Mais quand tu n'appliques pas les mesures de sécurité, ce que je vous ai montré, et que tu prends ton âme. Tu vas t'asseoir. Tu es déjà chambré. Mais tu peux mourir par instant de tir. Parce que dès que l'âme est déjà chambrée, il suffit d'un coup brusquement, le tir s'en va. Il suffit d'un coup brusque, le tir s'en va. Une âme peut être chambrée. Lorsqu'elle tombe, bah, le tir s'en va. Voilà. Sinon, on était gendarme, on sait de quoi on parle. Une âme là, quand elle est chambrée, détente à baisser. Tu n'as pas besoin d'actionner la détente. Mais il suffit d'un mouvement plus. Voilà. Le tir s'en va.
Voilà. Donc, il débabit. Quand on n'a pas fait les études des âmes, on n'a pas été breveté en diplôme balistique. C'est pas la peine de venir raconter des absurdités. Voilà. J'ai énoncé deux cas. Si c'était un suicide ou bien un meurtre, celui qui avait commis le crime, il allait s'embusquer. L'enfant allait prendre la balle dans la tempe, soit dans la bouche, soit dans la gorge. L'impact sort par là. Tu prends la balle ici, ça sort par là. En aucun cas, tu vas prendre une balle dans ta bouche et ça sort dans ta tête. Jamais. C'est parce que l'enfant a pris la balle en dessous du menton qu'on a vu l'impact sous la tête. Mais comment vous pouvez dire que c'est un motif volontaire? Donc, tout porte à croire que l'enfant a laissé son bourreau venir se coucher en bas de lui et puis tirer. Donc, on ne sait pas les trucs. Essayez d'attendre les enquêtes pour vous prononcer. Voilà, mais on ne vient pas parce qu'on veut faire du buzz et raconter des absurdités. C'est ça que vous dites dans le faux. Voilà. Même, tu n'as pas besoin d'être criminologue. Mais on regarde enquête possible ici. Jean-Pierre Belmar nous a fait des leçons ici. On a vu beaucoup du film ici, sur RTL9, les films d'enquête, les films policiers, voilà, qui parlent d'enquête. Voilà, moi, c'est pas. Les gens diront que c'est pas si gendarme, mais bien avant ça, non, des films documentaires. Voilà. Si l'enfant, c'était un homicide volontaire, on allait voir que l'enfant a pris une balle dans la joue. Parce qu'il était au poste de police, il est assis. Si quelqu'un veut le tuer, il ne va pas venir pour le tuer. Voilà. Mais l'enfant, son corps, le macabre est tranquille comme ça. Sans s'accroupir. Mais si c'était quelqu'un qui était venu pour le tuer, il allait avoir une bagarre. Et le corps de l'enfant est retrouvé à terre. Mais l'enfant, son corps est bien, inerte, assis sur un banc. Mais c'est qu'il n'y a pas eu de violence. Vous voyez, son corps est inerte comme ça. Les bras vers le bas. Il n'y a pas eu de violence. Donc, c'est pour vous dire. C'est pas un assassinat. C'est pas un homicide volontaire. Soit l'enfant, il est mort par incident de tir, ou soit il s'est suicidé. Mais il ne peut pas mourir par incident de tir parce que c'est pas un novice. Voilà. Avant de venir prendre son poste là, il a observé tous les mesures de sécurité. Voilà, de l'âme. Avant de venir prendre ton poste, tu observes tous les mesures de sécurité. Voilà. Et ce qui vient corroborer le fait, avant de mourir, l'enfant a envoyé un texto sur WhatsApp à son ami. Voilà. Donc sans doute, l'enfant. Lui-même, il s'est donné la mort volontairement. Parce qu'il y a des choses qui viennent le corroborer. Voilà. Si là, il dit quoi? Il dit incident sur le tir. Soit c'est un incident de tir ou homicide. Non, tu peux dire incident de tir, mais pas homicide. C'est pas un homicide. Voilà. Parce que homicide là, il faudrait que le gars soit couché en bas de l'enfant pour mettre le canon de l'arme sous sa gauche et actionner la détente. Mais l'enfant n'est pas bête. Il n'est pas un poulet pour qu'on puisse mettre une arme sous sa gauche pour le tuer. Parce qu'on voit la photo. L'arme sort par la tête. Par le... L'impact. L'arme sort. La balle sort par la tête de l'enfant. Par le crâne. Voilà. C'est pour dire. L'arme est entrée. La balle est entrée là. Et c'est sorti là. En haut. Jamais. C'est un poulet qui puisse se laisser tuer comme ça. Sinon l'homme là. Il va opposer une résistance. Si c'était un homicide volontaire, soit le tueur il était embusqué, mais l'enfant, on n'a pas eu un impact ici, au milieu de sa tête. C'est être là, soit à la tempe, et puis la balle sort là, soit dans la bouche, et puis la balle sort là, soit dans le cou, et puis la balle sort là. Mais en aucun cas, un homicide volontaire, la balle ne rentre pas ici, et ça sort pas là. Donc, ils sont allés faire l'enquête, mais moi, je viens un peu élucider les faits. Voilà. Soit que l'enfant, comme je peux le dire, il est mort par incident de tir. Mais je refute ça. Ce qui vient balayer l'incident de tir, l'enfant, il a envoyé un message avant de mourir à son ami. Donc, tout porte à croire que c'est un suicide. Voilà. Donc, toute cette hypothèse de homicide volontaire ou incident de tir sont à mettre croire là-dessus. Voilà. Parce que l'enfant, c'est un professionnel. Pour prendre le service, il ne va pas venir avec une âme dont il n'a pas visité, il n'a pas passé la chambre en revue. Il va venir prendre un garde comme ça, non, jamais. Voilà. Quand vous voyez la photo, la sécurité de l'âme est descendue. Voilà. La sécurité de l'âme est descendue.
On sait que c'est lui-même qui a actionné volontairement. Voyez, tu ne peux, peux pas quitter à la mumerie là-bas, à la mumerie, avec une âme qui a la sécurité qui a descendu jusqu'à ton poste. Jamais. Là, encore, moi, j'en attends pour voir. Et avant de prendre fonction, et puis c'est à l'école, c'est pas sur le terrain, c'est à l'école. À l'école, avant de prendre fonction, service, tu observes les mesures de sécurité de l'âme. On vous met, vous tous, la garde, on dit, mettez-vous en colonne par deux. Voilà. Mesures de sécurité. Mettez l'âme dans une position n'offrant aucun danger. Voilà. Chambrez. Et tout chambre. Bah, bah. Si la munition est cachée, ça va sauter. Si ce n'est pas caché, ça va rester. On est tiré. Quand il tire, c'est pour dire qu'il n'y a pas une âme dedans. Mais pour être plus sûr, on fait ça deux fois. Et on donne les deux bons coups de fonctionnement. Voilà. L'enfant, il a fait tout ça avant de venir au poste. Voilà. C'est un professionnel. Ce n'est pas un élève. C'est un maréchal des logis. Il a deux V. Au moins, si c'est un élève, on peut dire non, ils sont distraits, ils sont zélés. Il a pris l'âme sans regarder, sans prendre les mesures de sécurité. Il a mis se tuer. Mais lui, c'est un professionnel. Voilà. Donc ne dites pas ce que vous ne savez pas. Voilà. Ce n'est pas un homicide volontaire. Voilà. Parce que homicide volontaire, on ne va pas venir dans, dans les poils de l'oiseau pour le tuer. Quand tu veux tuer Rala, tu ne te pas dans ses poils pour le tuer. Tu te mets à une distance bien appropriée pour tirer. Si l'enfant avait pris le coup, si c'était un homicide volontaire qui avait pris le coup, ça allait prendre ici, là, et ça sort là. Soit sur le coup, et ça sort par là. Mais en aucun cas, un homicide volontaire, on va avoir un impact au milieu de sa tête. Ou même c'est un sniper qui l'a tué. Voici un con qui me pose une question. Il dit, dis-moi, depuis quand on monte un poste seul. Voilà. Il a le col de gendarmerie, ce gars. Soit il peut être adjoint au poste. Et ses éléments sont en train de plancher. Ils sont à la guérite. Voilà. Donc il peut être seul là où il est. Voilà. Il peut être seul là où il est. Et sans doute, où il s'est suicidé. C'est l'élément qui était de faction à la guérite qui a appelé pour dire, ah, le chef de poste est suicidé. Voilà. Donc on ne sait rien. On ne se prononce pas. Voilà. On ne prend pas le poste, une faction seule. Quand c'est des jours, on peut la prendre seule. Voilà, mais quand c'est de nuit, on apprend à deux. Mais lui, il était assis. Tout porte à croire qu'il était le chef du poste. Parce qu'il était assis dans son garde de poste. C'est lui qui reçoit les gens. Ceux qui viennent visiter l'école. Et puis il met les noms. Rentrer à l'heure, à midi 15. Sortir à midi 18. Voilà, donc c'était le chef de poste adjoint ou adjoint. Voilà, soit c'était le chef de poste ou il était l'adjoint. Mais ne me dis pas qu'il prend le poste seul. Parce qu'en face de lui, il y a la grille qui est là. C'est l'école de Tourgueux. Il a fait cette école-là. En face de lui, là, où il est mort, là, il y a la grille qui est là. Donc, sans doute, le premier qui a appelé, là, c'est le gars, l'élément de faction, de gars qui a appelé pour dire, ah, le chef de poste ou l'adjoint au chef de poste est suicidé. Tu n'as pas venu me dire, non, ah, depuis quand on monte un poste seul. Pas des gendarmes, quoi. Mais tu as fait l'armée. Voilà. Donc, question. Non, il a dit aux ESO que le chef de poste appelle sa promo. Bon, ce qu'il dit, c'est pas clair, c'est que c'est sorcellerie. Voilà, sinon, c'est qu'il a expliqué là. Il a expliqué, il a essayé d'aller dans une logique. Voilà. Il s'est allé dans l'esprit d'une logique. Maintenant, ceux qui disent non, que c'est pas clair, ça, c'est vous qui voyez. Sinon, on a vu l'impact des balles qui est sorti là. On a vu que la balle est sortie par là-haut ici là. C'est sorti là. Quelqu'un veut te tuer là. Soit il est en haut de toi. Mais j'ose croire que où il était assis là, c'est fermé. Voilà. Même si c'est un sniper, que l'enfant doit prendre le coup là, c'est dans la tête ici, à la tempe, dans l'oreille, dans la joue ici, dans le cou. Mais en aucun cas, il va prendre le coup là, et puis ça sortir de la tête. Jamais. Voilà. Jamais. Dario Benito, il dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais dis-moi, pose la question. Dis ça pour répondre aux questions. Posez la question, je vais vous expliquer. Posez la question, je vais vous expliquer. Ceux qui ne sont pas d'accord là. Posez la question.
Destiny Man, il dit, mais pourquoi il reste assis? C'est ça qu'il s'est dit là. L'enfant où il était assis là, on appelle ça le poste de garde. Voilà. Et il y a le corps de garde à l'intérieur. Le corps de garde, c'est où les gens, les gens qui prennent la garde, eux ils dorment. On appelle ça le corps de garde. Où il était assis là, c'est le poste de garde. Et comme c'est un maréchal de logis, soit il est chef de poste, ou bien il est adjoint. Donc il est assis. Il n'est pas une sentinelle. Ne confondez pas sentinelle avec chef de poste. Sentinelle, lui, il est dans la guérite. Il est arrêté pour guetter. Mais par contre, le chef de poste, lui, il est assis derrière la table avec un cahier de garde. Ou pour filtrer les entrées et les sorties. Quand tu rentres, monsieur, vous appelez comment? M'appelle Tabo Mbeki. On va aller voir qui? Il me voit Zamana Picasse. Bon, entrée à 10h. De là, ça va. Quand il se fait enregistrer, il laisse sa pièce d'entrée. Voilà. Il s'entre dans le collège de l'Amérique. Quand il finit, quand il veut ressortir, monsieur, ah, c'est Tabo Mbeki. Ok, on donne sa carte. Sorti 11h. Dans le petit là, c'était ça son boulot. Voilà. C'était ça son travail. Elle dit bien, elle dit, mais pourquoi on peut pas réagir par émoticône, petit frère? Ah, ma vidéo est bloquée. Ma vidéo est quoi? C'est comment? Émoticône, mais moi, ma vidéo, c'est un peu bizarre. Mon truc, mon Facebook est un peu bizarre. Il dit quoi ici? Il dit, je comprends ta logique. Attends, le gars, il dit quoi? Oh, on peut pas dérouler aussi. Attends, j'ai une question là. Attends, je pense à ici là. Il dit, je comprends ta logique parfaitement. C'est ça, c'est qui dit ça? Gouverneur, je comprends ta logique parfaitement. Il s'est suicidé quand on voit la trajectoire de la balle. Tu as raison, tu as vu? Parce que la balle est rentrée par là et s'est sortie au milieu de sa tête. Si c'était un homicide là, quelqu'un veut te tuer, il ne va pas venir dans ta poche pour te tuer. Il va s'embusquer et pour te tirer là-dessus. Voilà. Ibrahim, il dit, ne pensez-vous pas qu'il a fait ça pour la menace de quelqu'un? Bon, moi je pense que, vu ces messages qu'on a vus à travers son WhatsApp, c'est que l'enfant, il avait des sujets pour l'homme de se suicider. Soit il était contraint par quelque chose. Soit il y a quelque chose qui le chagrinait dans sa vie. Soit peut-être ses parents, parce que vous savez, hein, vous pensez que j'ai un homme là, on a l'argent. L'enfant, lui, là, il est MDL. Son salaire, c'est 189 000 francs. 189 000 francs. Ou même, voire 170 000 francs. Voilà. On ne sait pas comment il a fait pour entrer là, dans la mairie. Peut-être qu'il a payé pour entrer. Bon, il a payé pour entrer là. Peut-être c'est 3 millions. Le gars a besoin de son argent. Il dit, bon, chaque fin du mois, tu me donnes 70 000. Parce que tu as remplacé mon argent. Bon, 689 000, là, il enlève 70 000. Il reste combien? Il reste 110 000. 110 000 là. Ses parents. Et comme celui. Ah petit. Il doit envoyer 60 000 là-bas. Il reste combien? Il reste 50 000. 50 000 l'enfant, il a ses propres besoins. Si j'ai une copine, il fait comment? Donc quand l'enfant calcule ça, à la fin du mois, il est zéro. Peut-être qu'il se retrouve, mais est 10 francs. Et il y a la pression partout. Toi, depuis que tu as dit, Janama, tu penses plus à nous. Ses cousins l'appellent de passer par là. Quand tu es jeune homme, on te voit un homme qui a l'argent. Mais les gars, ça peut pousser au suicide. Ça peut pousser au suicide. Voilà. Nous, on ne s'est pas suicidé parce que nos parents, et se suffisaient. Sinon, là, si nous, là, on était l'espace d'une famille, là, on allait se suicider. Voilà. Parce que c'est dur. Donc, ceux qui parlent de non, que pourquoi vous racketter? Mais on racketait souvent pour arrondir les fins du mois. Sinon, ton salaire, tu ne peux pas vivre. Et la vie qui est dure. Moi, je suis enseignant à Abidjan. On lit piment, c'est 1 à 50 francs. 500 francs pour mes Gaba. Avant, c'était 200. Voilà. Donc, l'enfant, soit il a eu des problèmes avec soit des parents ou de l'entourage. Tellement, il le fatiguait. Et c'est une sorte d'argent. Voilà. On mettait la pression sur lui. Non, envoie l'argent ici. Envoie l'argent ça. Pour un petit gendarme. Parce que les gendarmes, il doit construire bien son papa. Qu'il va le dire, soit les 5 millions. Mais lui, il a quel argent?
Hein, qui dit quoi? Il dit Juvenal, je suis ta logique et je suis d'accord, mais peux-tu m'expliquer comment se fait-il qu'il n'est pas tombé? Voilà. Je peux t'expliquer pourquoi il n'est pas tombé. Le gars, il est assis. Voilà. Il est assis. Il se prend. Il a les jambes écartées. Il prend toute la décharge dans sa tête. Voilà. Puisque la gravité du tir, c'est entre le menton et le canon de l'arme. Donc toute cette force-là, c'est actionné par sa tête. C'est pas son corps, mais ça, il prend toute cette force dans la tête. Mais il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. Au moins, s'il était arrêté, qu'il avait pris le coup là, c'est le projeter. Mais la gravité du coup est déportée vers le haut. Donc toute la force, ça va vers le haut. Donc il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber, mon frère. Voilà. Au moins, s'il s'était fait comme ça, bouah, on le ventre. Là, la force du tir, elle allait le jeter. Vous voyez, c'est toute la masse volumique là. Ça s'est réparti. Voilà, suit dans tout son corps. Mais vu que c'est par là, il a mis le canon. Donc quand il actionne, boum là, toute la gravité, la force, ça va par le haut. Voilà, ça se dépose vers le haut. Donc il ne peut pas tomber. Il va rester soit comme ça, il tombe comme ça. Voilà, moi j'espère que t'as expliqué. Voilà, j'espère que j'étais expliqué. Il dit quoi lui là? Bon, lui, il est venu écrire beaucoup, mais pas du tout ça là. Je comprends pas une chose. Depuis quand un gendarme est sur le poste? Les gars, j'ai répété. Bon, comme on dit, c'est pédagogie, j'ai répété encore. Je disais, le gendarme là, il est assis au poste de garde. Quand on dit au poste de garde là, c'est là où le chef de poste s'assoit, avec table qu'elle a. Mais c'est au poste de police, il est assis. Mais où il est assis, c'est au poste de garde, parce que c'est le chef de poste. Et il y a le corps de garde. Le corps de garde, c'est où les éléments qui prennent la fonction se reposent. C'est ce qu'on appelle le corps de garde. Où lui il est assis, c'est le poste de garde. L'ensemble, c'est le poste de police. Donc il peut être seul, parce que soit il est chef de poste, ou bien le chef de poste adjoint. Il est assis là pour filtrer l'entrée et les sorties. Sous l'œil vigilant de la sentinelle qui est en face de lui, en temps de jour, la sentinelle est seule dans la guérite qui le regarde. Donc sans doute, quand le truc s'est passé, l'incident malheureux s'est passé, c'est la sentinelle qui a dû appeler les anciens pour dire, ah, le chef de garde s'est suicidé. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui l'a tué, la sentinelle, elle le voit et ça va être un échange de tirs. Vous voyez, c'est considéré comme un assaillant. C'est très clair. C'est très clair, c'est pas comment il se passe, il doit parler chinois ou bien il doit parler portugais. Mais il a bien expliqué ça. Voilà. Il a bien expliqué. Mobo élégance, arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas, respectez son âme. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait des enquêtes pour réellement savoir? Non! Ils n'ont pas encore fait d'enquête. Voilà. Mais moi, en tant que jeune homme, je viens de dire ce que je connais. Et pourquoi faire cette vidéo? Parce que il y a le site le site d'Abidjan là. Point Abidjan de Babit, de toute façon. Ils sont venus raconter pour dire non, l'enfant il s'est suicidé. Ils sont venus donner des fausses informations. Ils ne connaissent même pas la calache, portée pratique, portée maxi. Ils sont venus donner des contre-vérités. Raison pour laquelle je suis venu faire la vidéo. Sinon, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, oui, c'est à tout moment ma gamme, c'est quoi? Moi, je suis là pour défendre Gbagbo. Il y a des gens qui insultent Gbagbo. C'est à eux et à faire. Voilà, mais là c'est pas le but de la vidéo. Eux là, on va y répondre après. Soit demain ou bien après-demain. Mais ça, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est pour venir expliquer de leurs conditions rocambolesques dans laquelle l'enfant est décédé. Voilà. Parce que nous sommes dans un doute heuristique. Voilà, il faut un doute libérateur pour qu'on puisse savoir réellement si l'enfant s'est suicidé ou il a été tué. Voilà. Mais moi, en tant que agent des forces de l'ordre, qui connaît aussi l'arme, la Kalachnikov, je ne peux pas penser que l'enfant s'est suicidé, il s'est fait assassiner. Il s'est plutôt suicidé. Parce qu'ils sont au poste de police. S'il y a quelqu'un qui avait tiré sur lui,
La sentinelle allait le voir. L'enfant n'est pas une sentinelle parce qu'il est assis. Et c'est pas dans une guérite. Parce que j'ai fait le col de Torugu. Où il est assis là, il donne face à la sentinelle. Voilà. Juvénal, il dit, tu m'informes. Heureusement que ça sort de la bouche de quelqu'un qui a fait la gendarmerie. Vraiment, le salaire là aussi d'est. Nous, on a toujours cru qu'il touche 250 000. Je vous explique. Voilà. Nous, on a été la promotion, la gendarmerie, qui avons eu assez d'argent. Voilà. Je vous explique. Parce que nous, on est entré en temps de guerre. Nous sommes entrés en temps de guerre en 2002. Voilà. Le 3 décembre 2002. On a fait Adiaké. Et d'Adiaké, on a quitté Adiaké le 14 février 2013 pour ensuite aller à Daloa. Voilà, pour terminer la formation là-bas. Voilà. Et en 2013 jusqu'en 2014, il y avait les forts de guerre qu'on appelait SIAPOPO, les PDM. Donc nous, en tant qu'élèves, on est passé élève sous-officier, on touchait 90 000 de PDM, c'est-à-dire la prime alimentaire, plus 90 000 de la popote. Mais les 90 000 de la popote là, les gens nous coupaient 56 000. Donc 56 000, on va dire 60 000. Donc nous, c'est 30 000. 30 000 plus 90 000, on avait 120 000 chaque fin du mois. On était comme les fonctionnaires, on avait 120 000 chaque fin du mois qu'on était élève sous-officier. Mais de nos jours, les élèves de maintenant là, élèves sous-officiers, ils ne peuvent pas avoir 120 000 à la fin du mois. Eux-mêmes, ils demandent à leurs parents. Pourquoi? Parce que Apalo est là. Voilà. Dans les 90 000, on a dit de payer, de payer, de payer, de payer. Ils ne savent pas ce qu'ils payent. Souvent, vous avez vos amis qui sont au quartier. Ah, toi, t'es gendarme, t'es élève, t'en as plus, tu n'as pas l'argent. Il ne peut pas avoir l'argent. Mais ces 90 000 là, il ne voit rien dedans. Mais si vous dites que vous n'avez pas pour vous lui dites non, mais ah, gendarme, c'est un corps d'élite. Moi qui étais gendarme, policier était payé mieux que nous. Et les policiers sergents, gendarme MDL, policier était mieux payé que nous. Et à lui là, il dit, depuis tu parles de Johnny, tu as 1 000 vues. Là, il ne parle pas de Johnny. Hein. Ici, il ne parle pas de Johnny. Il parle de la gendarmerie. Voilà. Vous pensez que c'est les vues qui me nourrissent. Rien qui dit, moi, ça, c'est ton affaire. Attends, il dit quoi, je sais pas. Stéphane Kwame, il dit qu'il est trop jeune pour mettre fin à sa vie. Pour un problème de finances, à son jeune âge. Bon, c'est des hypothèses. Nous, on ne sait pas les contours exacts de la mort. On ne connaît pas les motivations de son suicide. C'est des hypothèses en humain. Mais comment il était du corps? Je ne sais pas pourquoi il vous dit souvent, voici les problèmes à quoi on est confronté. Souvent, il y a la famille qui te met la pression. S'il vient d'une famille qui n'a pas l'argent, on lui met la pression, mon frère. On est champion, t'es gendarme. C'est comment? Nous, on veut moyen ça des rues. On a pris ton cours de gendarmerie. On a remboursé. Tu dois payer. Tu fais comment? Il fait comment? Et par le message, on sait qu'il a se suicidé. Parce qu'il a envoyé un message à son ami pour dire, ah, en tout cas, c'est pas une histoire de jalousie, mais il sait plus ce monde. Mais regarde, tu parles de quoi? Il dit, non, c'est lui, c'est bon. Qui vient me finir là, c'est tout. Donc, c'est que l'enfant avait des soucis qui le taraudaient depuis au moins 6 mois. Il ne pouvait pas vivre. Parce que quand il pense que quelqu'un est à la maison, il y a la pression sur lui. Donne l'argent, la grand-mère du village, donne l'argent. Il donne de l'argent à tout le village. Ça, c'est un frère, c'est le seul fonctionnaire de sa famille. Et il doit nourrir 3 familles. Voilà. Donc, c'est ce qui pousse souvent le corps habillé en Côte d'Ivoire à se suicider. Pas en France. En Côte d'Ivoire, c'est ça. Parce qu'il y a les soucis d'argent. Non, ce n'est pas un secret pour les mollos. Voilà, il faut qu'on dise pour que ça change. Parce que de nos jours-là, les gendarmes, ils vivent mal. Voilà. Ils vivent mal. Le corps habillé vit mal. À part les FSI qui vivent bien. Voilà. Eux, c'est les mercenaires à qui on a promis venir faire la guerre pour déstabiliser le pouvoir de Laurent Gbagbo en vous donnant 8 millions. Eux, ils vivent bien. Voilà. La milice de Ouattara vit bien. Ils ont les 8 millions chaque fin du mois. Voilà. Il y a des trucs qui ont 1 million chaque fin du mois. Mais les gendarmes, les Côte d'Ivoire, les gendarmes, là, ils n'ont pas l'argent. Nous, avant, on n'avait pas l'argent. C'est un peu de racket qui nous permettait d'arrêter nos fins de mois. Comment expliquer qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a des gens, gendarmes, qui travaillent au commandement supérieur, au plateau.
Il habite à Yopougon. Il travaille matin, il finit soir. Mais il peut aller à la maison, mais il n'est pas prêt. Il sent à la maison que les vendredis pour devenir lundi. On me dit, mais pourquoi il est à Abidjan? Mais parce que le transport est cher. Il travaille au plateau, lui habite à Yopougon. Il n'a qu'un peu de transport, aller-retour 1500. Il mange combien? Chaque jour, il fait ça. Mais son salaire va se retrouver à combien? Donc, il préfère dormir au plateau et rentrer le week-end chez lui à la maison. Dans le même Abidjan, il y a des gens qui travaillent au plateau, gendarmes, qui ne peuvent pas aller le soir à la maison. Pourquoi? À cause du transport, payer c'est cher. C'est 289 000 francs. Imagine, tu dois mettre 1500 chaque jour dans le transport. Pour te mettre ta nourriture. Tu laisses combien à la maison? Pour ta femme. Voilà. Sans connaître tes petits besoins. Mais calculer. 1000 francs déjà pour ta femme là. 2000 pour ta. Parce que ça bien cher. 2000 de popote là, les popotes. Ça fait combien? Ça fait 60 000. Plus lui-même. Si tu dois mettre 2000 au travail, ça fait 60, ça fait 120 000 déjà. Il économise combien? Il y a école, il doit payer pour ses enfants. Il fait comment? Donc c'est chaud, les gars. Gendarmerie ne voyait pas en lumière. C'est chaud. C'est chaud sur eux. Les propres tri, c'est eux-mêmes qui payent. Tri là, pour aller faire la guerre là. Tu comprends, on défend l'État là. C'est nous, on paye ça. Même pour avoir un, même pour un, pour te protéger, tu dois payer encore pour protéger. Pour t'amener un, tu dois aller travailler ça, tu dois payer encore. Ah, Dieu. C'est comment? Maman, elle veut dire. Voilà. Il dit, restons prudents quand même et espérons qu'il y ait enquête. Voilà, moi, je ne vais pas conclure une enquête. Mais c'est des hypothèses, ils sont en train de dénoncer. Je suis pas en train de conclure une enquête. Mais en ma qualité d'OPJ, officier de police judiciaire, ils sont en train d'énumérer certaines hypothèses afin de élucider les conditions de complexe dans le contexte, la mort de l'enfant a eu lieu, c'est tout. Voilà. L'enquête sont là, l'enquête vont dénoncer. Voilà, mais moi, je sais que ce qu'il dit là. Si 90, si 100%, 70%, j'ai dit la vérité. Voilà. Ce n'est pas un homicide. Si c'était un homicide, l'enfant, il avait. S'il prenait la balle là par la tempe, il est tombé. Soit à gauche, soit à droite. Ça dépend de quel côté il avait pris le tir. S'il est pris par la droite, baya, il tombe par là-bas. Voilà, on a regardé les films, on voit. Quand tu prends ici, baya, tu tombes par là-bas. Quand tu prends ici, baya, tu tombes par là-bas. Quand tu prends ici, baya, tu tombes par là-bas. Mais l'enfant n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que toute la force du tir s'est concentrée au calibre de son canon, du menton. Donc la poussée, la force qui a fait tomber est allée vers le haut. Voilà. La gravité de la force du tir est allée vers le haut. Donc l'enfant n'est pas tombé. Parce que toute la force est sortie par là. On a vu ici le gros tout. Toute la force exercée par l'âme est sortie par là. Donc c'est normal que l'enfant tombe. C'est normal que l'enfant tombe pas. Voilà. C'est un professionnel des âmes qui vous parle. Voilà. Donc, moi, je fais cette vidéo parce que c'est chose que je venais parler à bien.com. Ils ont dit non, que c'est un assassinat, c'est un homicide volontaire. C'est pas normal. Voilà. N'essayez pas de biaiser les enquêtes. Voilà. En cas, dit ce qui est. Voilà. Il y a un qui m'a dit pourquoi la fin n'est pas tombée. Ouais, la fin n'est pas tombée parce que toute la force est concentrée entre le bout du canon ici. Là. Ça, là. Canon, c'est ça, là. Bouh! Bon, nous, les féticheurs africains, c'est assez, ils peuvent me battre, ils vont me tuer. Il ne fait pas faire ça. Voilà, comme ça. Boum! En même temps, la force, tout ça, ça va. Voilà, c'est ça. Il dit, mais, et si le tueur était en bas? En bas où ça? C'est un poste de police. L'enfant, il est assis. En face de lui, il y a la sentinelle qui veille au grain, qui prend garde. Ça, je crois que tout le monde, il est au poste de police. En face de lui, il y a quelqu'un qui est là, qui surveille. Donc, si le tueur était caché, qu'il allait tirer, l'enfant allait tirer. Parce que nous, dans nos coups de gendarmerie, coups de combat, quand tu attends un coup de fusil, sans connaître où le coup vient, tu tires, papa, et puis tu tombes en garde. C'est-à-dire, tu ripostes et puis tu tombes en garde. Donc, il allait avoir échange de tirs. Si c'était un tir ennemi qui visait son patron, il n'est pas cherché à voir où le tir va, où le tir est quitté. Quand il attendait, papa, il disait aussi, papa, et puis il tombe en garde maintenant, il tombe en garde, placard du sol, pour voir maintenant où le tir. Ah, c'est une défense militaire, commando, où le tir est quitté, comme ça. Et puis ça baisse, et puis il regarde, et puis il regarde, et puis il regarde, et puis il regarde. Maintenant, comme nous, on est fort là, nous, il y a commando, on tire vers la gauche pour voir. Je vais passer qu'on tire sur lui. Donc, quand il tire, ça nous permet d'orienter pour voir d'où il tire.
Donc on teste d'abord, on fait diversion, on tire papa vers la gauche. Donc il s'est dit qu'on a vu, donc le site tire papa. Maintenant nous on se rejette pour voir où le tir qui tire maintenant. Rafale maintenant. On enlève tout ce qui est là-bas. Voilà, ça c'est commando tactique. L'âme était bien entre ses jambes. L'âme était bien entre ses mains. La première fois tu as pu faire un bon direct. Ça c'est ton affaire mon frère. Il fait tous les bons directs. Il dit ceux qui n'ont pas vu fait un show. Ah, il n'y a pas combien de minutes même. Il y a qui dit ici là, ils font tout rire. Il dit, mais Charles Kessy, il dit, mais et le gars de Sentinelle là, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il a, bon, champion. Il répète combien de fois? La Sentinelle là, il n'était pas là-bas. Mais c'est que c'est lui qui a appelé les gars pour dire, ah, il suicide. Parce que déjà, il a vu son patron. Boa, il a vu boa. Le coup, il a attendu. Il peut ne pas voir. Le gars qui s'est suicidé, il peut être distrait, t'as vu? Ou même soit le gars qui s'est suicidé, il le dégage. Quand il voit que la Sentinelle il n'y a pas, il peut tirer. Parce que la Sentinelle pourrait venir l'empêcher. Pour dire, hey, arrête, chef, arrête. Mais il attendait que le gars, par une petite inattention, il s'est donné la mort, c'est fini. Donc c'est que c'est lui qui a prévenu les gens. C'est lui qui a prévenu. Kakou dit, moi, tu es libre, les secrets de ton corps. Toi, tu es un amateur. Bon, ça fait rien. Moi, je suis un amateur, mais il y a un diplôme de commando. Ceux qui sont faux là n'ont pas de diplôme de commando. C'est que si c'est ici. Attends, montrez-moi. J'aime trop ça, mais ça fait rien. On vous montre toujours. Voilà. C'est que j'aime le diplôme, ça. Voilà. Diplôme de commando, voyez ça qu'elle a. Voilà mon nom qu'elle a. Mon nom, voyez ça qu'elle a. Voyez ça bien. Voyez bien mon nom. Là, on cache plus. On connaît mon nom. Voyez ça qu'elle a. Voyez mon nom qu'elle a. C'est propre même. Voilà. Voyez mon nom qu'elle a. Malik Cissé, voyez ça qu'elle a. Malik Cissé. Ah, voyez ça qu'elle a. Voyez mon nom. Voilà. Voyez ça, le diplôme que commando qu'elle a. La sueur épargne le sang. Voilà, dans ce on vous raconte. Si vous pensez que c'est chaud, là, c'est votre affaire. Taux de raquettes dans le corps de gendarmerie. Bon, moi, je ne suis pas venu parler de ça. On dit pas tout sur les réseaux sociaux. On dit ici, mon frère, on dit tout ici. Voilà. Des armes mannequins, c'est un assassinat. Ça, c'est toi qui vois, mon frère. Voilà. C'est un pro qui te parle. Ça, c'est toi qui vois. Assassinat. Mais la thèse même de l'enfant vient pallier l'assassinat. Parce qu'on a vu un message où il a dit à son ami, ah, il aime me suicider par les propos qu'il a tenus. Donc quand tu parles d'assassinat, on ne sait, sait pas de quoi tu parles. Voilà. Il dit, Mono, tranquillise-toi, ne montre pas le plan de guerre au Chali. Bon, ok. Les gars, on s'est laissé. Sur ce dessin animé, ensemble. Demain, il y a vidéo clash. On va parler des gens. Voilà, on a fait vidéo, ils avaient les passeports, mais ils ont fait croire aux gens qui n'ont pas de passeport. Cotisez pour moi, cotisez pour moi, cotisez pour moi. Le passeport, c'est depuis août. Je vais montrer vidéo là où du passeport, c'est depuis août. Oh, comment il y a la peine en septembre. Quand Stéphane Kipl a envoyé la plainte, c'était en septembre. Ils sont venus parler, cotisez pour moi, je n'ai pas de passeport, je ne veux pas travailler, cotisez pour moi. Ça, c'est la mauvaise foi. Voilà, quand on vous a dit que ce mort, c'est un arc, vous pensez augmenter. Quand tu as passeport depuis 2018. Depuis 2000. Il a coupé, moi, c'est bon. Il y a une vidéo de ça qui vient après. Si c'est mort, ciao, ciao, ensemble. Il dit que quelqu'un peut écrire de son portable. Bon, mon frère, ça c'est ton affaire. Si tu es. Parlez ce que vous voulez, c'est votre affaire. Moi, j'ai parlé, c'est fini. Ciao, ciao.